I'm ready to feel your hand and lose my heart on the burning sand in front. Tell me, 'cause I know you do it too.
Maintenant, c'est un événement. Ça fait 30 ans que les Stooges n'avaient pas été réunis avec Iggy Pop. Et tu places sortent... Iguane, passe Iguane dans la ouais, ouais. L'Iguane. On a le temps, on a le temps. Donc, il y a un album qui vient de sortir qui s'appelle The Weirdness. Yes. D'accord. Ça fait beaucoup. Weirdness. Iggy Pop en live. Si vous avez une école de langue... N'hésitez pas, vous pouvez Michel Denisot à michelleniseau@canalplus.fr. Et donc, c'est franchement un événement musical de les retrouver. C'est magnifique. Écrit derrière. Et les voici avec My Idea of Fun. Stooges fight poverty.
Voilà extrait de l'album que voici. Les Stooges. Avec Iggy Pop, Ron Ashton et Scott Ashton. À cause d'Iggy, j'ai cassé l'écran. C'est passé à travers, tout est cassé. Ah ouais, c'est un vrai copain. The driver's crazy. Look how she her hair. Alors pourquoi avoir attendu 30 ans pour vous retrouver? Took time for the public to catch up with us. Oui, on laissait le temps au public de nous rattraper, en fait. Très bien. Nagui, vous avez beaucoup de questions à poser? Ah non, mais moi je l'énergie est exceptionnelle. Ouais, Iggy Pop, c'est un mythe, c'est culte évidemment, toute cette musique là, qu'il ait reformé les Stooges, qu'on se retrouve avec d'ailleurs Deep Purple, Police, les Who qui tournent aussi. Ça veut juste dire que quand il y a quelque chose qui est bon, qui est essentiel, qui est incontournable, ça ne meurt jamais et c'est génial. Et merci d'exister. Thanks a lot for being there. Merci, c'est gentil. Non, mais là. Vous avez déjà tout connu. Vous avez connu tous les succès et aussi tous les excès. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Yeah, I'm a little fou. Quant à moi, je crois que c'est vraiment qu'on s'amuse. On s'amuse parce que notre musique est enfin acceptée, reconnue, et on peut jouer en public et avoir un public qui accepte et qui jouisse de notre musique. C'est ça qui est génial. C'est que tous les jeunes groupes qu'on reçoit ici vous citent les Stooges comme leur influence principale. Vous avez influencé complètement la scène rock actuelle. Vous réalisez, j'imagine, cette chose. Oui, on me dit ça tout le temps d'ailleurs. J'ai une fille qui a 15 ans et qui m'informe sur la scène rock et j'en rencontre beaucoup. Ils me disent effectivement, voilà, on a grandi, on a écouté les Stooges et c'est pour ça qu'on est là. Et ça fait un bout de temps qu'on nous dit ça d'ailleurs. Et vous en pensez quoi justement de cette jeune scène américaine qui essaye de vous copier entre guillemets? Vous en pensez quoi? Vous écoutez vous, Iggy, les petits jeunes? Oui, ceux qui ne nous copient pas vraiment, oui, effectivement, je les écoute. On a joué avec les Bratz au Zénith la dernière fois. C'est vraiment des petits jeunes qui jouent bien. Il y a une chanteuse également, Emily Simon, qui a repris un de nos titres et c'était vraiment très très beau. Elle le reprend, mais elle en fait sa propre chanson. Your dog. Yeah. Now I wanna be your dog. Emily Simon qui sera victoire. Michel Boudière qui vous a rencontré il y a des années. Oui, mais moi je m'en souviens très bien. Est-ce que vous voyez toujours Bowie? I'm still friend with David Bowie. Il a une traduction, Nagui. Micro. Ah, pardon. I haven't seen him. Ça fait for a while. Un bout de temps que je ne l'ai pas vu. Hein. On se parle au téléphone de temps en temps, oui. Il n'est pas là. Et on a des images de vous très très fortes. À la télévision française, c'était l'époque où Yves Mourouzi présentait le journal de 13h. Vous allez voir qu'on ne peut pas le confondre forcément avec Jean-Pierre Pernaut, parce que ce qui se passait sur le plateau était vraiment très différent. Très, très différent. Non, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Un autre style. Regardez les images où vous étiez au 13h de TF1 à l'époque, en 77. Oui, bonjour. Ah, là, je crois que... Vous savez que c'est interdit d'allumer quelque chose sur le plateau. Bonjour, Yves. Ça va? Ça va. That's me. Oui, ça c'est vous. Why you take off your shirt? Well, may I show you? Yeah, I'll show you. That's important to be naked? I'll show you what is important. Naked. Will you please? Ah, vous voulez que je vous... Ça passerait plus. Grave, c'est ça. C'est vrai que c'est pas, voilà. C'est pas le style. Toi, t'avais fait avec Zéro. C'était des sapés avec Zéro. 20h, pardon. C'est bien. Ah, pardon, excusez-moi, effectivement, je ne réagis pas toujours bien
lorsque mes invités me demandent de faire quelque chose. On le sent ému, hein. Ah, c'est une question de musculature, en ça. Voilà, c'était le journal de 13h de TF1 en 1977. C'est pas une critique contre Jean-Pierre Pernaut, mais le son est différent. Guy est connu, bien sûr, pour sa musique qui a marqué, comme tu l'as dit, l'histoire de la musique dans le monde entier. Les Stooges sont connus pour avoir aussi, grâce à la tenue vestimentaire d'Iggy qui s'effeuille au fur et à mesure, régulièrement un nouveau membre qui apparaît avant la fin du concert. Et 30 ans après, il a la même silhouette, le même temps. Absolument. Mais on n'a pas vu. Et le prochain concert à Paris, ce sera le 3 juillet prochain, au Palais des Sports, donc les Stooges. Ce sera un rendez-vous énorme. Avec les Stooges et du Pop, avec ce nouvel album que le monde entier attendait. Et merci à vous d'être venus sur le plateau pour être en live, ce qui est un événement, et puis être ensemble ici, aux côtés des grands spécialistes, avec Nagui et Michel Drucker. Merci. On va se retrouver dans un instant avec Michel Drucker et Nagui pour parler des victoires de la musique, donc le samedi prochain. Il y aura le petit journal People, Omar et Fred, et la boîte à questions. À tout de suite. Merci, Guy Pop. Position à la Fondation Cartier. Merci de faire un triomphe à Guy Pop et au Stooges. L'album, le voici de Buenos. Je vais commencer avec vous, Iggy. D'abord, ça va bien? Oui. Oui, vous parlez un peu français? Un petit peu, oui. J'ai un demi-connaissance. Oui, parce qu'en France, les gens adorent le groupe que vous avez formé avec les deux frères Chesterton depuis des années. Vous le savez, ça? Ah, you know, yes. Since many years. Yes, it's... Oui, je le sais. It's been close to our heart. La France nous est très chère également depuis bien longtemps. Comment vous avez décidé de retravailler et pourquoi de retravailler ensemble avec Ron et avec Scott? Well, actually, I got a phone call. Bien, c'est-à-dire que j'ai reçu un coup de fil un jour, et c'était Iggy au téléphone qui me disait « Bon, est-ce que tu veux travailler avec moi ?» J'ai dit oui tout de suite. Le projet, c'était de travailler sur son CD, Scarring, et on s'est dit qu'on allait faire des enregistrements ensemble, et puis on a commencé à travailler sur Skullring, et on a travaillé ensemble, on a continué, et puis tout le monde était en train d'obtenir des offres, on nous a dit venez jouer ensemble pendant qu'on faisait l'enregistrement, donc on est allé en Californie, et puis ça a commencé comme ça, ça a commencé petit, et puis ça s'est développé, il y a eu une vraie demande, les gens ont commencé à s'intéresser au projet, ça a été bien reçu, et voilà. C'était le premier coup de fil depuis combien de temps entre vous? Ça devait faire... Je crois qu'à chaque fois qu'il finissait de remixer un disque ou Raw Power, effectivement, on avait travaillé ensemble, donc ça faisait 5 ou 10 ans. Et je crois qu'il m'avait appelé à 2h du matin pour être réveillé, pour pouvoir prendre son avion à 4h. Alors, c'est vrai qu'on avait parlé ensemble pour la première fois vraiment depuis 25 ans. Ça prouve que vous aviez toujours le même numéro de téléphone. Effectivement, il n'a pas changé de numéro de téléphone. Ça fait 42 ans que je n'ai pas changé de numéro de téléphone. D'ailleurs. Je crois que le groupe s'est remis ensemble parce que c'était évident, c'était inévitable d'un point de vue cosmique que nous nous retrouvions. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce nouvel album, qui est un album survitaminé, Iggy? Comment dire, je dirais que c'est en fait un rêve, le rêve de chaque adolescent, et c'est ce qu'on leur offre. Je crois qu'il n'y a pas de bonne raison d'enregistrer un disque, un album. Ça va marcher. Les oiseaux vont continuer à voler, etc. Et puis, les ours vont continuer de se battre dans les bois. Bon, voilà. En tout cas, je me suis dit qu'effectivement, il fallait que ça soit un album bien punchy, bien vitaminé. Et avec un peu de chance, quand on l'écoute, on ressent quelque chose, on se sent bien, on a envie de commencer à danser. Et on devrait pouvoir reconnaître et retrouver certains de ces sentiments plus profonds et peut-être reconnaître un peu de quelque chose de la personne qui est assise à côté de soi. C'est tout. Voilà l'album, donc on va le présenter avec Elisabeth. Maintenant, on va vous retrouver sur scène.